Et re-brave Jean, on est de retour sur Biomutant. Et on va continuer notre ascension. Alors je pense qu'on va aller dans la troisième Étonnamment, biome. il n'y a que peu d'insectes sous terre. Alors il y a d'autres biomes, hein, des biomes qui sont un petit peu optionnels, mais j'ai mon premier gros lag. Alors peut-être que c'était un chargement, on va dire, déguisé, du coup en sentant. Un peu fait bugger. Alors, hop. Le fossile dit qu'il est temps pour vous de faire la paix avec votre passé. Lupa Lupin réside toujours au camp où il a grandi. Il espère que vous y trouverez les réponses que vous cherchez. Il est dans votre nature d'espérer le meilleur et de vous préparer au pire. Mais il est probable que votre rencontre avec Lupa Lupin débouche sur une confrontation. Il vous indiquera le chemin à suivre, mais ce sera à vous de faire le reste. Nul ne peut vous accompagner sur cette partie du voyage. Le camp de Lupa Lupin était donc là depuis le début, à peine dissimulé au pied de l'arbre. Le fossile espère que vous y trouverez votre voie, ainsi que les réponses que vous cherchez. Il sait qu'il l'a déjà dit, mais le temps est venu de mettre un terme à la tyrannie de Lupin. Ok, bon bah, on y va. Vous devriez vous rendre là-bas pour y affronter votre destin. Ce sera vous contre Lupin, sans règles. Vous attendez cela depuis longtemps, et l'heure est enfin venue. Il est temps de vous rendre au camp de Lupa Lupin. Il imagine que vous revenez pour une raison précise. Vous dit de prendre soin de... Ok, bon, on va aller affronter le... Le mal. Tant qu'il me voit pas, moi ça me va. Là. Ah oui. Bonjour. Ah, il y en a un qui est libre. Vous n'avez plus de force. Voilà. Allez! Il m'énerve quand il fait ça! Allez! Personne ne peut résister à un coup comme ça. Bon. Vous n'êtes pas assez en forme pour ça. En feu.
Ça aurait été long. Mais c'est toujours bon, moi j'aime bien, de toute façon. La nature est si belle en pleine journée. Regardez ce récup en métal là-bas. Bien ça. Pour un truc. Ok. Âme. Puissant, donc l'âme on va la libérer. Et conteneur biobulbe. Cette personne semble être de bonne humeur, bien qu'on l'ait abandonné. A entendu dire que vous ne suivez que vos propres principes. Vous demande de faire ce qui est juste en vie. Tu as choisi ton propre destin. Aujourd'hui, je suis d'humeur. C'est moi ou. Il fait délicieusement sombre. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la perdition. Les ténèbres te connaissent si bien. Tu ne t'y perdras pas. C'est toi qui devrais te perdre. Et loin d'ici, de préférence. Les ténèbres ne peuvent pas perdre, contrairement. Et le dernier, et on a fini avec cet endroit de ces morts. Alors, voilà. J'avais pas vu ça. C'est un petit fleuve. Bonjour. Mais c'est pas ce que tu veux, mais ah oui d'accord, ok, il cible. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chiant quand ça t'oblige à combattre les créatures parce qu'il y a. Marrant. Voilà. Allez. Le camp de Lupin était donc là depuis le début, à peine dissimulé au pied de l'arbre. Ne faites pas de câlin à votre monture, ce n'est pas un doudou. Hein ? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Le palpin à nous deux. Alors, est-ce que je me suis soigné? Non. What? Ah, je suis plein. Ok, bon. Bon, ça c'est fait. Avancez à pas de loup. C'est le camp de Lupin. Là, je m'attendais à une petite, un petit village ou quelque chose comme ça, et en fait, pas du tout. Lupin dit qu'il attend ce moment depuis longtemps. Il voulait vous attirer ici afin que vous voyiez de vos propres yeux. Là où tout a commencé. Il n'était pas plus haut que trois pommes quand votre mère et sa bande sont venues tuer sa mère ici. Juste parce qu'elle était différente. Parce qu'elle était une chasseuse. Cette nuit, la chasseuse est devenue proie. Piégée. Acculée. Votre mère n'a fait montre d'aucune pitié. Elle était assoiffée de vengeance. Il voit bien que vous êtes comme votre mère. Que vous auriez pris exactement la même décision et agi comme elle. Vous aussi,
Vous avez du sang sur les mains. Il s'est retrouvé orphelin. Seul au monde. Un paria. Un monstre. Depuis ce jour, chaque nuit, il revit cet instant. Il dit que les actes de votre mère et ses disciples ont eu des conséquences irréversibles. Ce sont eux qui ont créé le monstre qu'il est devenu. Il savait que son heure viendrait. Et il était de nature patiente. Aussi, quand il a eu vent de votre naissance, il a immédiatement su comment ourdir une vengeance satisfaisante. C'est pour cette raison qu'il a épargné votre vie. La nuit où il a rasé votre village, quand vous étiez jeune, il voulait vous faire souffrir toute votre vie, comme lui a souffert. Il vous a laissé une cicatrice, afin de vous reconnaître quand vos routes se croiseraient, et pour que vous vous rappeliez vos origines. Sa faim est devenue dévorante au fil des années. Il a bien essayé d'être végétarien, mais ce n'était pas dans sa nature. Il ne pouvait pas se laisser mourir de faim. Mais il n'a jamais tué pour le simple plaisir de satisfaire son appétit. C'était toujours une question de survie. On ne peut pas nier sa véritable nature. Il suffit d'observer la nature pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. La sélection naturelle élimine les faibles et les forts survivent. Exactement. Le destin est pour les gens trop faibles pour prendre leur destinée en main. Et il est temps d'accepter la vôtre. Ah, il est beaucoup plus fort que ce que j'avais imaginé. Pour l'instant, j'ai pas consommé le. Ok. Pourquoi pas? Ouais, je peux le faire comme ça, hein. Franchement, en mode one again, ça passe. Hein. Ah oui. Tu veux me clouer, c'est ça? Ok. On va peut-être se soigner. Il est rapide, hein.
Ah. Tiens, les racines de l'arbre. Il étouffe. Et ainsi vient la fin de Lupin Lupin. C'est l'heure de partir à l'aventure, pour le meilleur comme pour le pire. Ok. Une vache. Arme de jeune récupérée. Ah bah oui, c'était l'arme que j'avais craftée. Ouais, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est juste pas... Ok, bon bah écoute. Ouais, du coup on a plus qu'à retourner voir le... Il y a un tout... Le fossile dit que la rumeur de vos actes se répand, que les tribus n'ont pas encore perdu espoir. Il vous est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, mais hélas... Il a reçu un message urgent de son ami Wiz qui vit au nord-ouest. Il sait que vous avez bon cœur et que vous aiderez Wiz. Il dit qu'il vous indiquera la direction générale, mais que c'est à vous qu'il incombe de trouver Wiz et de lui fournir ce dont il a besoin. Ça se présente bien. Okay. Le fossile a eu la bonne intuition. Autour du Tortipouf. Le fossile dit que Wiz s'inquiète depuis que le mange-monde du Nord-Ouest a redoublé d'activité. Il explique que Wiz travaille sur un vaisseau sous-salin qui permettrait d'atteindre le mange-monde, mais qu'il a besoin d'aide pour le terminer. Sous-marin. Incroyable. Ok. Le fossile vous suggère de partir vers le nord-ouest au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour aider. Il serait heureux de votre service. Ok. Vous dit... C'est parti. Bon, moi... Alors voyons voir un petit peu par là, là je suis assez curieux. Là maintenant à partir de là on va commencer un balade etc. Un truc là-bas. Alors. N'oubliez pas le passé et apprenez de ses erreurs. The best. Un autotunnel. Vous pouvez le traverser à la vitesse de l'éclair. Oh la vache. Ok. Je peux pas. Il faudrait un truc qui.
mur. Voilà. Allez, c'est parti. Fermé à clé, aucun doute là-dessus. Ne prenez pas votre rôle à la légère, ou vous y perdrez plus que des plumes. Pour un casque. Du coup, là, on a une sortie. C'est embêtant. Regardez-moi ça. Je vais essayer de trouver le... Bon, tant que je suis en combat, je peux pas appeler. Allez, c'est parti. Je vais voir s'il n'y a pas une entrée là-haut. C'est pas mal, hein. Alors, bah je vais pas du tout dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Le but c'est d'aller là. Non! Hop. Je croise les doigts pour que cet animal continue à vous obéir gentiment. Wow. La mélasse, le pétrole, hein, évidemment. Ah bah il faut que je fasse le... Ok. Ok, ça c'est fait. Eh oui. Pas le temps de niaiser. Regardez ce monolithe. On ignore qui les a érigés, mais les nonos les adorent. Ok. Compliqué là. Faut du soleil, c'est ça? Aïe. Est-ce qu'il y a un camp là? Dites-moi qu'il y a un camp pas très loin. Ah, là par contre, il y a un truc. Allez, attrapez-le. Voilà. Faut juste un petit camp là, ce serait parfait. Tu mets un P à chaque fois sur la monture. Dès qu'elle est proche comme ça, ah là 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 là, ça fait. Allez, c'est parti.
Ce soleil qui est interminable là. Quoi que vous fassiez, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. C'est toujours une bonne chose d'avoir du récup en bois à portée de main. Et... Ok. J'ai compris en fait. Comme j'ai choisi les ténèbres, j'ai compris. J'ai enfin compris une chose. Comme j'ai choisi les ténèbres, les journées durent beaucoup moins longtemps. Un peu comme Final Fantasy XV. Où justement on avançait, plus on avançait dans le jeu, plus les journées étaient courtes. Et là du coup, vu que j'ai choisi les ténèbres, bah du coup les nuits sont beaucoup plus récurrentes. Ok. Ok, my bad. Je râle depuis tout à l'heure pour un truc, en fait, pour une mécanique qui est totalement de ma faute, tout simplement. Oh l'horreur. Oh l'angoisse. Ok, bon j'ai compris. Ok, bon, soit. Soit. Du coup, on va jouer énormément de nuit désormais. Bien cuit. Ok. Oulet. Hop là, elle est morte. Et bim. Parfait. Hop. Vous avez découvert Luxudru, la jungle la plus dense du pays. Vous allez devoir vous tailler un chemin à coup de sabre. Il y a quelque chose là-bas. Ok. Wow. Ok. Bah si j'avais su, j'aurais été vers la lumière. Hein. Clairement. Les nuits sont très très sombres hein, sur le jeu. Le alors peut-être qu'après c'est presque entièrement le ciel. J'ai voulu en fonction de la clarté qu'on a. Mais en tout cas, là pour le moment. Mais il y a tout le temps des combats là. C'est horrible là. Ah, il faut que je continue parce que à cette allure là on y est encore dans 6 mois quoi. Je vais aller là. Allez, c'est parti. Allez, emmène-moi s'il te plaît. Xanol a construit des stations carbu comme celle-ci un peu partout. Elles inondaient le ciel de fumée. Là. Incroyable.
Vive les ténèbres. Ne regardez jamais cet animal dans les globes oculaires. Père. Ok. Ah oh ben, il y en a combien comme ça? Allez, courage. En lieu, on tombe sur des maisons comme celle-là, qui sont encore agréables à zioter. Oh. Le masque de ces morts. Hop. Je vérifie hein, qu'il n'y ait pas. Peut-être en face. Faut voir. Oh oui. Cette bicoque vaut à peine mieux qu'une coque de noix. Ah bah écoute, hein. Cette expédition est en train de prendre des proportions épiques. Attends, what? Disque. Une fois un disque. En haut, ouh. En bas, trouvez le rythme. Un peu de force ne fera pas de mal. Hein. Vous avez carburé. On se sent en forme. Parfait. Alors. Ok. Là, on va aller à l'étage. Et ouais. Attends, on va faire ça. Là, le disque en question. Incroyable. Et là, on va pouvoir remplir là-bas. Ah, en plus de ça, on a trouvé le... Parfait, hein, franchement, là. C'est bueno. Abaissez le bras pour que l'aiguille sillonne les micropistes. Essayez encore. Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. Bim. Il y a un tchatchakode caché chez sur ce plasto vinyle. Par chance, mon grand âge me permet de le déchiffrer. Il mentionne un endroit souterrain secret. Allez, joue. Voyons voir un petit peu ce que ça propose. Okay, notre ce village a été baptisé Yupitralala par ceux qui ont la chance et le privilège d'y habiter. Yupitralala. Ah, alors tu sens que les développeurs et sauf que les mecs qui ont fait la trad en fait, la trad à faire, ils se sont dit allez hop, ça passe. Alors, fais voir ce que tu proposes. Ça, je prends. Les vêtements. Ouais. Ça c'est mieux que ce que j'ai. Voilà. Vous vous y retrouvez. Là.
Et voilà. Et il me faut une... un camelot. Il y a un camelot à bestiole. Hein. Où est-il hein? Et la question on peut se poser. Ah. Il est où ce con? Se demande qui invente ces bidules mécaniques. Bon, bah écoutez. Hein. Ah, bah il est là. Le vendeur prétend que. Voilà. Bon, on quitte Yupistralala. On va fouiller ça. Allez, on fouille ce bâtiment là et après on se quitte. Hop. Juste pour le plaisir. Ah bah c'est déjà fait. Butin splendide. Ah bah voilà. Allez, je vous donne rendez-vous on au prochain épisode. Mieux les couleurs quand il fait jour. Et je vous dis à très très vite pour nos aventures. Ciao ciao.